سوف نحاول الإجابة على هذا الامتحان الجيوي. Élément de réponse donné à titre indicatif. بالنسبة للcontextualisation du texte, تقريبا على نقاط. Recopier et compléter le tableau suivant. Et dans le job, il faut titre de l'œuvre, La boîte à merveilles. Genre littéraire, dit La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique. Personnage principal, c'est Mohamed. C'est Mohamed, mais c'est Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui, c'est l'auteur, lequel c'est Ahmed Sfraoui, lequel le personnage principal, c'est Mohamed. Misbel, la situation de passage, juste après la visite rendue par Lala Zubida à Lala Aisha chez elle à Zanqat Hajjem. On a kiff mazat l'ahdo. Situer ce passage dans l'œuvre en choisissant l'une des trois propositions suivantes, juste après la visite de Lala Aisha et de Lala Zubida à Sidi Ali Bourghalb. Non. Juste après le retour de Ma'alim Abslam et de Sidi Mohamed. De chez le coiffeur, non. Juste après la visite rendue par Lala Zubida à Lala Aisha chez elle à Zanqat Hajjem. C'est C. Donc juste après la visite rendue par Lala Zubida à Lala Aisha chez elle à Zanqat Hajjem. C'est le Owel. C'est le Owel. C'est le Job. Titre de l'œuvre. La boîte à merveille. C'est le Job. C'est le Job. Genre littéraire, roman autobiographique, Ras Bla Bat à merveille. Le personnage principal, c'est de Mohamed. Et l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. C'est pas la situation du passage de la maqta de Nas, juste après la visite rendue par Lala Zubida à Lala Aisha chez elle à Zanqat Hajjem. Maintenant, analyse du texte. Vous avez ici 6 points. Ras Kum Tfouzou Bi Sitat Noqat. Quelle expression dans le texte montre comme Al Maslam déjeune chaque vendredi chez lui? De quoi se composait le menu du repas de ce vendredi et pourquoi ce menu était particulièrement soigné? Regardez ici la correction. Pour la première question, c'est selon sa coutume. La cible est dédiée, selon sa coutume. بسبل سؤال ب الجواب ديالو موطون زارتيشو سوفاج كوسكوس سكر على كانيل سلطه دورانج على الويل دوليف دي تي على مونت بسبل الجواب الثالث منو ايتي بارتيكولارمون سوال باسكو لو بير ايتي بريزون دون بار اي دو لوتر ايل كومبورتي دو لا فيوند ان روبا بلو ريش كو دابيتود سي ايغالمون ان جور ساكري سي لو فوندودي. اجي دابا نتعرفوا عليهم من خلال النص. تلاحظوا مزيان هذا بالنسبه للسؤال الاول selon sa coutume. Selon sa coutume, le lendemain, vendredi, mon père rentra déjeuner selon sa coutume. M'sbel Soueltini, voilà, du mouton, le repas fait servir par ma mère, le menu était particulièrement soigné. Nous mangeâmes du mouton aux artichauts sauvages, des couscous au sucre et à la cannelle, et pour finir, une délicieuse salade d'oranger à l'huile d'olive. C'est ça ce qu'on appelle le menu du repas. Pourquoi était bien soigné? Ici la présence du père. Mon père rentra le déjeuner parce que c'est le jour du vendredi, c'est un jour sacré. Et aussi il y a de la viande. Donc une dizaine d'indices. Premier indice ou l'yom dit le jumra. Deuxième indice ou le hodor dit l'ab. Ou kedaïlik l'akl dit l'lahm. Le menu était particulièrement soigné. Pourquoi le menu était particulièrement soigné? Alors, selon sa coutume,
Le menu, mouton aux artichauts sauvages, couscous et au sucre et à la cannelle, salade d'orange à l'huile d'olive et du thé à la menthe. Et j'ai obtenu. Ce menu était particulièrement soigné parce que le père était présent d'une part et de l'autre, il comportait de la viande. Un repas plus riche que d'habitude, c'est également un jour sacré, c'est le vendredi. Adoma el ajoube telet minnas. ننتقل دابا للأسئلة الأخرين شوفوا رابعين قلنين هنا ليلى زبيدة في بليزيو غبخوش أمولي العربي سيتي أون دو غبخوش معنى تأنيب دابا مولاي العربي هو الزوج ديال العشاء وقع مشكل معاه مع لاسوسيا بالقادرة وليلى زبيدة عاتبت مولاي العربي إذن هناك دو فاصون deux reproches, deux façons de reprocher. Je vous, là les avez plusieurs reproches. Je vous me camille nous retard au jugement. Minmas. Je vous maïena. Hana, faites ce que là. Il lui versa sans méfiance. Iden bidon tika. Qu'est-ce que vous voulez dire tika? Et lui versa sans méfiance. Il donne d'abord le job de Soel. Et lui versa sans méfiance. Puis donc, Hadr. C'est une scène de belle. Et lui versa sans méfiance. Il, ça veut dire l'associé. Lui, il, ça veut dire Moulay al-Arabi. De même, je vous le dis au brave. Il lui versa sans méfiance. Il veut dire Moulay al-Arabi. Et lui, c'est Al-Qadr. Il est, ça veut dire l'argent. Et lui versa sans méfiance. Il dit Attends, le mal dit le bidon, un tibet. Bidon Hadr. Il commet la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance de dette. Alors, il lui versa sans méfiance, il lui commet la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance et de dette. Voilà. Idem, بالنسبه للعتاب الاول انه عبد القادر ان مولاي العربي دار واحد الثقة عمياء لدى عبد القادر كان عليه ياخذ باله مزيان وكذلك كتب ما كتبش واحد العقد ديال السلف مثلا il commet la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier عقد sans établir de papier de reconnaissance de dette. تقولوا دابا السؤال الموالي accepter deux reproches parmi la liste suivante son excès de confiance en Abd al-Qadr, il donne son excès de confiance, il donne tiq al-amiya et son manque de méfiance, son absence de prudence, sa faute de ne pas avoir établi un papier de reconnaissance de dette, le fait d'être responsable de son propre malheur, etc. Et du coup, le madout enib, son excès de confiance, il donne tiq al-amiya l'Abd al-Qadr, son absence de prudence كاينش واحد الانتباه سا فوت خطا ديالو بانه ما كتبش واحد العقد ديال السلف و لو فات دو ات ريسبونسابل هو المسؤول اذا مولاي العربي هو المسؤول على هذاك صاب مالور هو المسؤول على داك الشيء اللي طرا لي جي دابا نشوفو طوناليتي quelle est la tonalité dominante, ça veut dire registre littéraire, dans le passage qui va de Dieu écarta de notre chemin jusqu'à il associe à son affaire. Il y a la tonalité, c'est le registre, le majel moyen. Il y a le majel, il y a un paragraphe, il y a un faqara, un texte qui est. Il y a un comique, hezli. Mais c'est l'épique, mais
شيء خرافي أو تعظيم شخص ما إبيك بحال شي منجزات ليست غير معنى انتقاد أو نقد. نشوفوا الباساج بعداك ونشوفوا نحسمه واش هو كوميك ولا ساتيريك ولا إبيك، واش هو هزلي أو لا نقدي أو إبيك، شي حاجة فيها المبالغة فيها الإنجازات مبالغ فيها. Dieu écarta de notre chemin de celui de nos enfants et les enfants de nos enfants tous les fils du péché qui se présentent, le sourire aux lèvres et la poitrine pleine de ténèbres, soit notre protecteur et notre mandataire. Amin. Sadr al-Qadr, ce fils de l'adultère, ce disciple de Satan, ne possédait pas une chemise propre quand Moulay al-Arabi le prit comme ouvrier dans son atelier à Pshatin. Il le traita avec bienveillance, lui prêta de l'argent, le reçut souvent à déjeuner ou à dîner. Al-Qadr se montrait poli et même obséquieux. Il chantait les mérites de Moulay al-Arabi, louait sa générosité, son bon caractère et la noblesse de ses sentiments. Tous les deux travaillaient beaucoup. Les babouches brodées jouissent auprès des femmes de fesse d'un grand succès. La production de Moulay al-Arabi et de son ouvrier avait bonne réputation. Abdelkader songea à se marier. Moulay al-Arabi l'encouragea dans cette voie et le Laïcha lui trouva une jeune fille digne d'éloge. Les mariages coûtent toujours très cher malgré ces nuits de veille. Abdelkader n'avait pas eu économisé et se trouva assez gêné lorsqu'il fallut verser une dot à sa fiancée. Il eut recours à son patron, Moulay al-Arabi réussit à assembler 80 riels. Il lui versa sans méfiance. Il commet la faute de lui avancer cet argent sans établir de papier de reconnaissance de dette. Pour permettre à Abdelkader de gagner davantage, il l'associe à son affaire. Alors le registre, c'est pas comique. هذا ماشي هزلي، هذا ماشي فقرة، هذا ماشي شكل من أشكال الهزل، نعم، أو من أشكال ديال المجازفات ولا استعراض الخصال، لا نو، هذا نقد ديال دو فغي زامي. كاين هناك واحد لا فوت ديال عبد القادر بأنه غدر بالكرم وبلا جينيروزيتي ديال son patron ou كذلك النقد ديال مولاي العربي لانه ثق فيه. عنده راه جاوبنا على السؤال هذا، عنده ثقه عمياء. اذا هو ارتكب كذلك اخطاء مولاي العربي، وهو اللي وقع لي في هاد لافير سون مال، هو اللي خلاه يفقد كل شيء. الخطا جسيم بانه ضاع ثقته كامله او الثقه العمياء، وكذلك نسى ما دارش عقد ديال السلف باش يوثق هذاك الشيء. اذا هو مسؤول على سون مالور كما تقولوا. اذا لو ريجستر هنا لو ريجستر ساتيريك، نقدي ماشي هزلي، نو نقدي ريجستر ساتيريك. إذن هذا كامل، هذه الفقرة هذه كاملة تتحدث على لو روجيتر ساتيريك. إذن دائما لو روجيتر يا إما فقرة أو تيكس أو ما شابه. فوالا، تقولوا حاجة أخرى تاني، شوفوا فوالا توناليتي ساتيريك جيستيفيكاسيون كار لا زوبيدا كريتيك، ها تنتقد لا زوبيدا انتقدت هذاك لي ترافير دو لانغرا عبد القادر بالخصوص. يا ضد تصرف ديال عبد القادر، هذا تسمى خائن انغرا. شوفوا سؤال اخر. ما مير نو لوي ليسا دالي با لو تان دو ريبوندر سيت انونسي فوتيل دير كو لا مير دو ناراتور انتردي ا سون ماري دو بارلي. نو ما مير نو لوي ليسا، لوي سا فو دير سون بير ابسلام،
Ma mère ne lui laissa d'ailleurs pas le temps de répondre. Alors la mère du narrateur interdit à son mari de parler. Non, il n'attendait pas de réponse de la part de son mari. Le mari ne s'intéressait pas du tout à ce que racontait sa femme. Non. Et il n'attendait pas de réponse de la part de son mari. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Je n'ai pas voulu t'ennuyer hier soir. Cet énoncé fait-il partie du récit de discours? Je suis deux indices. Qu'il le discours, mais le khitab, ou qu'il le récit, mais le hikaye. Cet énoncé fait-il partie du récit du discours? Du récit ou du discours? Je n'ai pas voulu t'envoyer hier soir. Discours. Ok, il n'y a que deux indices. La présence de je et aussi la présence de l'indice temporel hier soir ou le tutoyement. Il n'y a qu'un mukhatab. Qu'il me t'éclame ou qu'il me mukhatab. D'accord? Qu'il interlocuteur et interlocuteur. Celui qui parle, c'est l'interlocuteur. Et celui qui adresse sa parole, c'est l'interlocuteur. Je n'ai pas voulu t'envoyer hier soir. Alors, je, c'est la première personne du singulier, ça veut dire le locuteur, et toi, l'interlocuteur. Bon. Voilà, il fait partie du discours. Emploi de je, énonciateur ou locuteur, emploi du passé composé, temps du discours, et emploi de l'indice, de l'indicateur chronologique. Temporel, hier, et la marque de l'énonciation, t'apostrophe. Et donc, qu'une dizaine dix, vous savez, par du discours, qu'une dizaine dix, qu'un jeu, adjectissement énonciateur, mutekellim, énonciateur, emploi du passé composé, le passé simple, le passé composé, c'est le temps du discours, et aussi l'indicateur chronologique ou temporel, hier. Hier, et là, c'est un indicateur chronologique. Et de la marque de l'énonciation. Et donc l'énonciataire. Et de la marque de l'énonciataire. L'énonciateur et l'énonciataire. Le locuteur, l'interlocuteur. Je pense à Allah Aïcha et mon cœur saigne. Et mon cœur saigne. Mani yenzif demen. Qalbi yenzif demen. Demen, c'est l'hyperbole. La figure de style, c'est l'hyperbole. Et d'un hada, c'est l'hyperbole. Parce que le Zubida était profondément touché et affecté par ce qui arrive à son ami intime, sa douleur et à l'image de leur amitié. Elle est émotive, sensible et tendre. Réaction face au texte. Il fait deux points. Est-ce que le jugement positif ou le négatif? Selon vous, quel jugement pourrait-il porter sur sa femme les Zubida après son récit agressif et pourquoi? Wesh mouayid ou la mouarid? Wesh عنده راي ايجابي ولا راي سلبي? تختاروا اما راي ايجابي مثلا admiration fierté moralité élevée image brillante ou le jugement négatif bavardage et calomnie. Calomnie معناه Némima. Moralité baisse, mesquine. Il donne le jugement positif, mais admiration, fierté. Son mari admire et est fier de sa femme. Avec sa moralité élevée, image brillante. Emma, l'ex, jugement négatif, c'est un bavard, c'est un bavardage ou en même temps calomnie. إذن تتنمنم بالناس موراليتي باس اي مسكين. بالنسبة للسؤال الموالي فوالا
Et partagez-vous le jugement sévère de la Zubida à l'égard de Abd al-Qadr. تمام بالنسبه لكم انتم واش فعلا قرار واش مؤيدين مع تصرف ديال لاله زبيده بارطاجي فو لو جوجمون سيفير دو لاله زبيده على ليغار دو عبد القادر تقدر تكون مؤيد تقدر تكون معارض مثلا وي سيفيريتي كريتيك ميريت على ميزور دي ميفي دي ميفي اي دو لانغريتيود دو عبد القادر اذا سيفيريتي اي كريتيك ميريتي إذن علاش لأن عبد القادر خان الباترون ديالو سيفيريتي كريتيك ميريتي على ميزور دي ميفي دي ميفي اي دو لانغريتيتود دو عبد القادر إذن دار واحد حاجة خايبة بالنسبة لنا نو عبد القادر أبو إتخ سي غيزون كي جيستيفي سون كومبورتمون يقدر يكون عنده أسباب لي تعلل السلوك ديالو بون فوز سوا بور سوا كونتر على حسب الرأي ديالك Sévérité critique méritée, ou là, Abd al-Qadr a peut-être ses raisons qui justifient son comportement. Bon, d'abord, alors quel معكم يوسف دلال من خلال الشاشه المتميزه ديالكم الكتيفي للفهم والاستيعاب خاصه بالنسبه للاولى بكالوريا اس واس باك 1 اس اوليس باك 1 ميرسي نلتقي بكم ان شاء الله لاحقا كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشه المتميزه ديالكم الكتيفي للفهم وللاستيعاب مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة كوميونيك تي في للفهم والاستيعاب قدمت لكم سكسي باك 1 لكي تستعدوا بشكل جيد لامتحان البكالوريا الامتحان الجهوي خاص بأولى بكالوريا On se revoit la prochaine fois très bientôt